Tu peux m'appeler Kader Keïta. Hein. J'ai le petit Kader. Ça va bah, je vais t'appeler comme ça, t'inquiète même pas. Tu peux m'appeler Kader, ouais. Je vais. Moi, j'ai un MPX d'opérateur, mais je... voilà. Quoi. Là, on est combo d'opérateur, tu sais. On va foutre la merde, tu vois, sur Facto. On va laver le cul des petits pistol boys. Et essaie de pas te faire laver par un SCAF, par contre. Faut pas qu'on meure. Ça, c'est important. Faut pas qu'on meure. Faut qu'on dépose le petit objet dans la mezzanine. Donc, tu connais les bails. Hein. Première partie du raid, on sécurise. Deuxième partie, on fait l'objectif. Troisième partie, on s'extrait. On disparaît. On disparaît dans la nature. On laisse que des cadavres derrière nous. J'ai une petite grenade. Ça, c'est s'il y a une petite négociation qui se met en place dans l'office. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait sauter un mec. La sainte louterie se charge. Je sais même pas si je vais looter un truc. Je vais vraiment me focaliser sur le combat. On a un objectif quand même. C'est vrai qu'on a un petit objectif, faut pas que je l'oublie. T'avais complètement oublié, t'y allais juste pour tuer des gens là. Mais j'aime bien tuer les gens. Après, si on veut réussir notre objectif, il faut quand même qu'on flingue les types. Moi je prends pas le risque de poser le bordel avec 4 PMC qui me reniflent le cul. T'inquiète, je te couvrirai, tu sais. Bah ouais, je suis inquiet là. Là, je suis très inquiet. Faudrait qu'on ait le spawn sorti Clio. Comme ça, on prend les corniches, on sécurise. Et après, tranquille, tu vois. Juste attention aux scavs. Surtout aux scavs shotgun qui mettent des headshots à 400 mètres en strafant, tu sais, sans viser. Pff, oh, je suis chaud là. Parfait! Mon plan se déroule comme prévu. Dépasse. Oh. Il me pousse. Des mousins. Cœur. Dans la guerre. Je vais grenader bunker. Hein. Non, je t'accompagne, je t'appuie. J'observe. Et j'ai vu une petite traçante passer. C'est pas du Mosin. Derrière toi. Méfie-toi. Des pistol boys. Ils sont jaille porte 2, tu sais. Et préparé à attaquer la sortie. Moi je me suis mis devant les portes. Bon, je vais prendre une position un peu loufoque. Toi t'es un mec loufoque. Je suis complètement loufoque là. Mais ils arrivent pas à se tuer. Si ça sort, si tu les vois courir, moi je regarde le connecteur pour pas me faire surprendre dans le cucu. Parce que j'ai quand même le cucu à l'air. Et si ça sort Clio, tu me dis je le terrorise. Je pense que tu vas l'entendre, ça, mais. Ouais mais tu vas le voir courir avant moi. Calme. Il court dans le Clio. Il court le petit furet. Considère-le déjà comme mort. Il doit être sorti là. Ouais. Merde, you. Il est dans le merdier. Y'a un scav à l'objectif. Les lois HP. Scav mort. Abattu. Ok, ça va. Restons pas là. Je pense qu'il avait gagné son duel lui. Oui, il avait gagné. Temporisation. Je refais le 30 coups. J'attendais une opportunité de tirer et au final j'ai tiré au mauvais moment quoi. J'ai un peu mal géré mon affaire. Le combat. Le résultat est là. Le résultat est le même, mais je me suis pas simplifié la tâche. Donc techniquement, il reste 2 PMC max. Parce que je pense que lui avait dominé son PMC. T'sais. Ça bouge. En dessous de nous. Oh, c'était Père Noël. Oh.
PMC? Non. Un SCAV, je pense, mais avec un gros sac de Père Noël. Ça spawn encore, ça? Bah, visiblement, maintenant, ça spawn, c'est... C'est un pilgrim rouge. En tout cas, c'est calme. Hein. Et il reste quand même des mecs, normalement, là. Brinquière, il doit rester des mecs. Mais... Oh, mon memory level et mon mag drill a augmenté, tu sais. Je deviens super PMC. Bon, on enquête. Bah, j'ai fait quelque chose quand même. Lui, il a paru content. Loot ce petit margoulin, j'ai looté le PMC. Oh, il avait un cadet, lui. Ouh, il aurait pu nous mettre en difficulté. Kevlar blanc, c'est bon. Lui, il essaie de me tuer là avec un Mosin. Et Bobby, on va s'extraire. On valide cette quête et puis on va revenir parce qu'il n'y a pas eu assez de sang pour moi. Je fais cette petite caisse verte et j'arrive. Bon, elle est faite. L'extraction, l'air clear. Mon cadre, il a pas assez tué. Il a pas eu assez de sang, on va être obligé de revenir. On va valider la quête et puis après on va revenir et après. La quête. La quête. Found an exit. Time to extract. Time to extract. On a validé la quéquette. Non, y a pas eu assez d'échauffourée là, à mon goût. Oh, j'ai quand même mis grosse domination. Hein. C'est marqué. Hein. Oh, on n'a pas récupéré le pilgrim rouge. Oh, qu'est-ce qu'on est con! Oh, on est obligé d'y retourner. Deux, Robinho. Round de deux. Ouais, on y retourne. Cette fois, on va essayer de flinguer un peu plus qu'un seul PMC là. C'était trop peu, quoi. Il nous en faut plus. Déjà, je veux te voir abattre un PMC. Oula. Tu peux le faire. Il faut que tu commences la nouvelle année avec un beau kill de PMC, tu vois. Même si c'est un cul nu. On va essayer d'avoir un spawn qui nous convient. Je voulais pas celui-là. Ok. Clear. Corniche. Ça sent l'attaque aéroportée. Ça se goupille comme ça, tu sais. Oh, c'est quoi? C'est le boss, ça? Oui, y'a moyen. On va avoir du mal au 9 mm, là. Là, on est condamné. Il a déjà lavé un type, je pense. Bah oui. Et je crois qu'il a pas demandé son reste. Hein. Enquêter, mais je crois que je vais le regretter. Je viens avec toi, le regret sera partagé. J'ai tué un SCAV, ça a peut-être excité le boss. Avec mes chargeurs 20 coups... On va se prendre des coups de marteau dans le fion, c'est sûr. Après, si sort son marteau, on a nos chances. Prendre section est sur la hauteur et en bas. Ah non, faut surtout pas l'affronter depuis les corniches, on est foutu. Si on le voit, faut fuir, on se repositionne. Et on le travaille au corps. En général, moi, quand je le vois, je suis déjà mort. Je veux juste que tu lui fasses quelques dégâts, quand même. Je me demande s'il faut pas lui tirer dans les jambes. Avec nos calibres. Dans le stomache. Dans le stomache, ouais. On lui vise le stomache, on lui vise les coucouilles. En tout cas, Il a calmé la map, t'es. La map est calmée, hein. Ah, ça court sur du bois. Ouais. Ce serait en rez-de-chaussée. En dessous de toi? Ce serait proche de nous, là. À la sortie? Non. Au rez-de-chaussée. Allez, il y a un PMC qui est mort, il en reste encore deux. Et je pense qu'il y en a un qui est au rez-de-chaussée. Il a l'air seul. Et le gros boss, je sais pas où il est fourré. Il y a des scaves qu'on spawn. Ça va peut-être dynamiter la game. L'autre, il allait se cacher, hein. Tout le monde a capté que le boss était là, t'sais.
Ça marche, Boiler Mid? C'est monté, en dessous de toi. Scav, il t'a vu. Fais gaffe, l'outil bougeait en même temps. Ouais. C'est toi le bois là? Non, c'est pas moi. Il y a quelqu'un dans le sous le connecteur, dans le bois. Bloqué à droite de la porte. Rassasié, rassasié. Tu l'as rassasié? Rassasié. Je refais mon 30. On a tiré, ça l'a tiré, mais... Moi, je veux attirer le boss. J'ai envie de taper le boss. Je vais peut-être récupérer un meilleur fusil sur le mec qui est mort, là. Il avait l'air d'avoir un casque. Il a peut-être une calage criminelle. C'est peut-être notre rédemption. Même si mon petit cadre, pour l'instant, fait son office. Ok, reste en couverture, je vais passer par la pumpin. Je vais aller looter ce malandrin. Si tu vois le boss, tu cours, tu fuis, tu sautes. Si je vois le boss, j'ai le TF4. Oui, j'ai dû. Ah, mais c'est lui qui avait la RPK-16, c'était lui le oh, boss. Oh bah ça va alors. Y'a pas de boss, t'es... Oh bah on l'a lavé, hein. T'inquiète en fait. Ah, il a tué un PMC. Est-ce que je pense qu'on a... C'est une classe 4, ça. Il a un Salewa et un M-Tape. Il a une mixtape. Il a une petite mixtape. Ok, ok. Bah écoute, je pense qu'il y a plus personne en fait. Bon, on se casse. Bon, on va faire l'office, non? On va faire l'officier, t'sais. Ah, il reste peut-être un PMC, hein. Ah oh, bah je rentre comme un fou, connecteur, t'sais. Je suis bas béton, hein, pas de bavure. Le lampion, c'est moi. Ouais, je suis en haut du béton, moi. Je suis au connecteur, là. Je rentre dans le couloir de la mort. J'avance sur l'office. Il y a quelqu'un? C'est ouvert, la deuxième porte. Merde, il a peut-être fait le coffre, lui. Oh, le coffret. Mais il avait pas grand-chose sur lui. Oh, il a laissé 48 tours. Pff, oh, j'ai un gros fusil, là. J'ai laissé sa classe d'armure 4, si tu veux récupérer une armure. On peut aller s'extraire, Arrête. Ça manque un peu d'action, là, je suis un peu déçu. Un peu timide, mais c'est les raids de la nouvelle année, c'est. Bon, après, lui, il doit être un peu deg, hein, ça te fait défoncer au cadre Keitat. Il a dû faire tout ça, là, on l'a entendu. Il avait un kiver et tout, je sais pas comment, il est mort assez vite. Hein, et son armure était pas trop touchée. Bah, je l'ai touché quand même, je pense. Hein. Je pense que tu lui as fait peur. J'ai dû lui péter les jambes. Parce qu'il a pas essayé de s'enfuir. Peut-être un mec qui me campe, là. Ok, vas-y, je m'extrais, petit. Ok, petit bonhomme, j'arrive. Viens par ici, gros bonhomme. Time to get out, it's good to go. We got bears. Now we got a damn. On fait un peu d'XP. On ramasse un peu d'équipement. On fait un petit peu de bagarre. Mais je pense qu'il faut qu'on y retourne. Je pense que j'ai rien fait là. Ah, moi j'ai tué deux petits scavs. Headshot, headshot. Oh, j'ai un run-through. Oh, le run-through. Putain, j'ai fait 220 de dégâts au gars, t'sais. Ouais, t'as dû lui faire mal parce que moi je l'ai tué. J'ai pété les chevilles en fait. Bah, moi je lui ai pété les chevilles aussi, je lui mets les legs. C'est un niveau 20, attention, hein, le mec il pèse dans le game. Mais il pèse pas suffisamment pour nous arrêter. T'sais. Mais il est pas au courant qu'il y a des corniches, t'sais. Il a entendu tirer, il s'est dit tiens, il y a des mecs en bas, au coin pute. Je vais les surprendre en arrivant par le bois ou en montant à 10 km. Après, s'il avait un kiver, il s'en avait peut-être pas marché. T'sais. Ouais, je pense qu'il nous a peut-être même pas entendu tirer avec le kiver. Par contre, il s'est vu mourir. Robinho, tu sais, si la bagarre vient pas à toi, faut aller à la bagarre. Et vu que le boss ouais. Il veut pas venir à nous. Je suis le boss. Oh putain. J'ai pris la petite casquette du boss. Et t'as un gros fusil aussi? Et t'as un gros marteau? J'ai un gros marteau dans le slip. Oh là là, c'est parti. Et là, ça part sur les chapeaux de roue. Là. Oh putain, y en a qui veulent en découdre. Cette fois, on va l'avoir, notre guerre. Pour l'instant, c'était un peu timoré, mais là, on va l'avoir. J'espère que... Oui, j'ai mis des mines dans les chargeurs. Par contre, j'ai un doute, là. On va éviter de fixer, t'inquiète pas. Oh, ne t'attarde pas ici!
Fuis, malheureux, fuis! Ils veulent en découdre avec toi, eux! Ils ont l'air d'avoir du meilleur équipement que tout, mais est-ce qu'ils savent l'utiliser? Il y a beaucoup de scav là, c'est une partie pour nous, ça. Porte ouverte en face. Il est à côté! S'en va, il... Attends, mais comment tu... Il est derrière la porte? Non, il est reparti. Mais comment tu peux aller? Il peut courir tranquille. Il va peut-être nous décaler aux fenêtres. Allez, il va les soigner, hein. Je compte charge. Ouais. Il est low. Il simule. Stop simuling. Pourquoi il meurt pas? Il a mis un casque. Je charge. Il arrête de simuler. Il simule plus là? Ouais, mais je simule pas moi non plus. Je l'ai pas vu, tu sais. Ok, je vais fermer la porte et on se reconditionne, tu sais. Reconditionnement des anneaux. Parce qu'il y a une guerre de tous les instants dehors. Quand même saigné partout, le gars. Pourquoi je suis mal en point là? Je sais pas qui c'était ce type, mais. Eh, tu... Bah, en même temps, il a un gros Kevlar, rien, gros Kevlar. Et il a résisté le mec au Kader, tu sais. Personne résiste au Kader. Mais il a un casque aussi. On va avoir une petite problématique, c'est que mes munitions elles sont toutes vides. Heureusement qu'il était seul, lui. Reconditionnement des anus. C'est pas le moment de se faire attaquer, hein. Je suis pas en mesure de me battre. Médicalement ça va, mais au niveau de l'armement ça va pas. T'sais. Moi cet affrontement ridicule m'a fait perdre confiance là. Ah bah putain, on a pas besoin de ça. J'ai un chargeur de près, je peux me battre un petit peu. Ça va. Non, c'est que j'ai 3-30 coups là. J'ai un après, il a une PP19, lui, tu peux lui voler, tu sais. Bah, bien sûr que je vais lui voler, t'sais. Pas longtemps. Ça vient? Non, c'était un tir lointain. Je suis reconditionné, j'ai fait mon bandage de tête. Petit bonhomme. Tu te foutais pas de ma gueule quand tu disais qu'il y a une grosse armure? T'as vu comme il a tanké, t'sais? Il a grave tanké le mec, mais c'est son casque qui a tanké, je pense. Oui. Les chargeurs, ils doivent être vides. Beretta? Ok, je suis remis sur pied. On reprend les hauteurs? Yes. On en a pas fini avec eux! Oh là 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 là. Ah, ils me volent mes FPS avec leur pistolet là. Ah c'est bon, c'est revenu. Il y avait un scav. J'ai repéré. Fenêtre. Il a pris une bouche fenêtre, mais je pense que c'était le scav qui gueulait. Il y a peut-être un mec dans l'office. J'entends bouger vers bunker. T'entends le bois là? Négatif. Ça vient vers nous. C'est un mec qui tousse, c'est un scav, je pense. En dessous? Ouais. C'est entre nous et le bunker. Ah, je ne le vois pas. Moi je te dis, fais gaffe orifice. Ça s'est calmé, t'sais. On arrive, ça y est, ça se calme. Hein. T'as un Kevlar blanc si tu veux. Posé le long de la corniche du connecteur. Ça va aller. C'est toi les soins? Ouais, je me soigne à l'infini. Ok. Il me reste une jambe et c'est bon. Bon, faut qu'on enquête, hein. Je sais pas ce que j'ai tué au niveau de la fenêtre. Je pense que c'est un scav. Mais il gueulait, c'est contre un adversaire potentiel. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On prenne d'assaut cet office. Ok. C'est parti! Une colotte d'Indan. Hein?
Colonne d'assaut. Colonne d'assaut, colonne d'assaut. Ouais, ça c'est pas censé être fermé. Mais c'est nous qui l'ont fermé. C'est moi qui l'ai fermé, c'est moi qui l'ai fermé. Hello mister. Petit bonhomme. Petit bonhomme. J'ai rien entendu de ça. Il y a un PMC qui est mort en bas là. Et il y a un truc qui marche en dessous moi. Je crois que c'est un scav. L'escave volatile. Il y a un scav joueur qui est au-dessus du bunker. Au-dessus du bunker, je sais pas où exactement. Il fait un scav. Scav mort. Tu l'as eu? Non. Il y a un cadavre. Je pense que tu l'as eu. Ok, on revient, 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 revient. Moi j'ai eu l'autre. Il y a des scaves qui gueulent, je crois qu'il y a plus de PMC, tu sais. On va avoir un problème de munitions. Je vais avoir un problème de munitions. T'es prêt pour faire une entrée office? Négatif, je suis prêt maintenant. Connecteur, non? Connecteur, dans le connecteur, un scav. Mort. C'est vrai qu'on a un problème de mun là. Il y en a un autre, je sais pas où il est. Je fais l'office fucking. Fais l'officier, tu sais. Oh, y'a une Rolex. Une diarrhée. Et 30 millions de roubles. Ok. Je crois qu'il y a un. Je crois qu'il y a un des. Le PM. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Le PMC il s'est fait tuer par des scaves, je crois, en dessous là. Boum. Fumier, va. Loot ce malandrin. Dis-moi ce qu'il a tué. C'était un carabinier. Il s'est fait tuer par. Ouais, un scav. Oh, le coup dur. À la KU. Oh. Devinez. Non, pas là. Ah, si, à la KU. Un c'est scav crevé là. Là, les scaveurs ils vont arriver, on va peut-être se mettre au rez-de-chaussée ou on reprend les corniches. J'ai plus trop de balles moi, faut que je trouve une. Ouais, mais sa carabine de fer, j'en veux pas. Un autre cadavre, je peux faire Akimbo. Oh putain, Jean-François Akimbo. Qu'est-ce qu'il te faut comme balle? Je trouve une deuxième arme, moi. Et lui, la sienne, elle est nulle. Allez, vas-y. Je sens que tu vas être déçu, tu sais. Là où il avait quoi, lui? Rien? Il a un pompe, le mec, dans le connecteur. Ouais. On va reprendre ce connecteur, on va aller le fouillette, et après on va reprendre les corniches et on va observer les scav joueurs. Je te laisse le loot. Oh, mais c'est un Saiga! Le mauvais plan! J'ai été pris à partie par un casque bleu! Il a été lavé, il a été lavé. Je suis sur ma corniche. On va tuer tout ce qui spawn, on tue tout ce qui spawn, on respecte personne. Ok, je sais pas quelle corniche t'es, mais j'arrive. Je suis à pigeonnier mid quasiment. Ok. Je suis à Kimbo Kader là. C'est vrai que comme les chargeurs transparents sur l'MPX, je sais exactement le nombre de balles, t'es. Le gars il compte. C'est cool ça. Un peu autiste, mais il arrive à compter si vite. Ah, mais attends, j'ai des balles de MPX moi. J'en ai des balles de MPX dans le PP19 du type. Ah non, mais non, mais. Ah bah ça demande une petite logistique, mais si t'es vraiment en manque de. J'arrive lui. Alors, je fais de la logistique, putain. Bon, normalement là ça va spawn dans tous les sens. Hein. Après, on a déjà flingué pas mal de petites salopes. Fais ta petite logistique. Oublie Dourou. Oh, comment il t'insulte. Oh là là là, faut pas m'insulter comme ça, bah. Ça court là, c'est toi? Non, moi je cours pas, moi. En dessous nous. Ça, c'était un mec qui est parti au boiler, je pense. Boiler tunnel. Je tirais sur un scav joueur, mais je pense que c'est pas. Sur un scav classique. Mais le mec qui court, c'est sûrement un scav joueur. Qu'est-ce qu'ils nous font là?
Attends, tu vas pas me dire qu'il y a 15 cacheurs qui va spawn ici, hein. Moi j'ai aucun bruit dans le hangar clignotant. Hein. Et c'était un autre. Je bloque le spawn. Ah, je bloque le spawn, ouais. Bon, je reviens. Où je suis reconditionné. Je pense qu'il est parti tunnel faire les caisses, le ciel, genre. Bah, il va bien ressortir mon moulot, train. Ah, t'as les caméras bunker. Qu'est-ce qu'on fait Viens, viens avec moi, viens avec moi, on va faire une track par les tunnels. Oh! Bunker? Tu veux qu'on aille voir? Ah bah oui, oui, c'est un scav joueur ça. C'est pas un tir anodin, hein. Ouais, regarde, il va, il fait la caisse, regarde. Pourquoi il meurt pas? Il est très low HP, ils tous! Il vient vers toi! Les gars, c'est bon. Mais j'étais sur sa tête, hein, j'ai tiré deux fois, mais je sais pas, le MPX ça doit tirer autre part. Ouais, bah j'ai mis un gros chargeur, le mec il pouvait plus courir, mais il était vivant. Faut qu'on se reconditionne. Faut qu'on se reconditionne. Après, il y avait celui que t'avais tué, c'est qu'avion, on l'a pas Bah, béton droite, bah, béton gauche! Mais je sais pas si c'était un scavenger au-dessus du bunker, là. Je me demande si c'était pas un vrai scav, mais il faisait des moves bizarres. Bas béton gauche, fais gaffe. Après, t'es bien placé là. Oh, j'ai vidé un chargeur, je suis un teubé. Ça court? Où ça? Je sais pas où. Ah, devant, à gauche, à droite? C'est plus à gauche. Voilà. Peut-être tunnellerie. Ouais, tunnellerie, sûrement. C'est peut-être notre homme. Hein. Tu l'entends là? Ouais. Et il est sur les windows. Il fait les caisses. Là, il est les windows du milieu. Je peux pas le voir, moi. Merde. Ah c'est bon, il est plus là. Oh, gaffe tente, gaffe tente aussi. Pauvre petite. J'ai rien entendu, mais il y a peut-être un mec. Il y a encore au moins un scav joueur, un scav classique avec casque bleu tente. Bon, j'ai un chargeur qui sera plus utilisable. 7-28, ça va plus trop spawn là. Il doit pas rester grand chose. Hein. On va pouvoir commencer à faire des simples outries. On va commencer par le scav que t'as tué là en dessous de toi là. Qui était solide. Il doit avoir su... Il a peut-être une défendeur. Ah, il doit avoir aussi un. Ah, il a une défendeur. Oh, il a un sac sexy. Ah, il a un tronc de coup sur son cadre. Oh le tarba. Oh, je connais même pas son sac sexy, tu sais. Il l'a mis où le chargeur, ce débile? Ok, on loot. Je vais looter celui au-dessus là. Parce que j'ai eu du mal à tuer. Ah ouais, il a une. Oh, il avait une axe aussi. Ah, il a une bonne armure là. Ok, je me restaure, t'es où? Toujours au même endroit, sur le cadavre du mec. Ok, on va dans l'autre hangar. Je suis derrière toi. Je vais faire double window là. Fais la grosse caisse noire, je pense qu'on peut tout looter là. Oh, il avait des fusils lui. Ils avaient looté mon kill. Ça bouge vite. Boiler mid. Une scaverie. En bas c'est pas je pense, je l'ai vu. Il est en bas, il est. Par contre il a pas monté l'escalier. Tu l'entends marcher là non? Ouais. Bah. On va le laver hein. Parti à droite. Ah il y en a un à gauche et un à droite. Il y en a un vers coin pute et l'autre il doit arriver vers le mec. Ok on descend, on va le tunnel. Tu l'as looté lui au sol là? Non, je vais le faire. Ça va pas monter la tôle là? On va aller dans les tunnels. Ça court là. Ça court. Coin pute, ça court. Non, c'est plus près que moi. Il va pur caméra bunker. T'es où toi? Boiler mid, je suis descendu caméra bunker. Ok, j'arrive avec toi. Il est boiler mid. Il a gueulé. Tu veux que je prenne la hauteur?
peut-être remonter. Charge! Est-ce que bleu? Abattu! 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 Okay. Il y en a d'autres. Un autre. Vers quoi, pute? Plutôt vers tente. Il était bizarre celui-là. C'est un scavenger, non? Bah, je sais pas, je sais pas. A chaque fois il avait une ligne, mais il tirait pas vraiment dessus. Et il devait croire que t'étais un scav. Ah ouais, il a deux armes, c'est peut-être un scavenger. Peut-être pas. Hein. On ne le saura jamais, t'sais. Tu peux te. Il a des. Seiga 9, il a des mines pour toi, tu sais. Ah non, c'est pour moi les mines de Seiga 9. Non, c'est moi. Ah, c'est pour toi, tu sais. Vas-y, je fais la caisse. Il y a un mec en bas là. Il y a un mec en bas. J'ai je t'entendais faire des bruits en double. Ah oui, c'était chelou ça. Il était un peu proche. Je pense que c'était le dernier. Oh, fusil. Gros fusil. Ah non, non. Fabuleux fusil. Ah, j'ai un chapeau pour toi, un chapeau exotique. Une chimera, tu sais. Le chapeau de pêcheur. Ah ouais. Oh, y'a un wallet! Trouve-moi un bordage bleu aussi. Attends, on va faire le. Il nous reste 3.35. On va aller faire la tente médicale. Eh les gars, vous campez la sortie parce qu'on va vous péter la gueule. Oh, y'a personne, c'est. Eh, hey, petit bonhomme! Après une minute 20, le mec. Ok, c'est bon, on se barre. EP located. La stamina. Stamine. Le tapis de course. Bon, j'ai flingué quelques scabs. On a flingué quelques salopes. Ah, mais j'ai pas eu mes 10 kills, hein. J'en fais que 6. Hein. Ah, j'en fais que 5. Enfin, 5 PMC, 5, 5 PMC. 5, 5 scabs et un petit PMC au début qui était solide, hein, par contre. Ah, il voulait pas crever, lui. Lui, ouais, il avait un Kevlar 2 aussi. Hein. On a peine à mocher. Il avait une grosse armure, tu sais. 888 de dégâts. Ça reste correct. Et je fais un peu d'XP, tu sais.